Bonjour tout le monde, je vous invite sur mon site Cuisinant avec plaisir. Je vous prépare mhinchat de printemps qui se compose d'un poivron, de courgettes, de carottes, un citron confit, 60 g d'olives, 60 g de vermicelle de riz, les épices, on a de chaque une petite cuillère, une demi-petite cuillère de poivre, curcuma, gingembre, paprika, de sel. J'ai 2 cuillères d'huile d'olive pour sauter tout, pour faire sauter les légumes. Je vais couper les légumes en Juliette. Les olives aussi, je vais les couper en petits dés. Le citron aussi. Et je vais faire sauter tout avec les épices et huile d'olive. Le vermicelle, je vais le tremper dans l'eau chaude pendant 5 minutes. Et aussi, je vais l'ajouter avec les légumes. J'ai aussi un cure-dent, des cure-dents là. Alors, je vais faire sauter tous ces produits et je viendrai vous voir. Voilà. Après faire sauter tous les légumes, je les laisse refroidir. Et là maintenant, je vais vous montrer. On va faire des mhinchats comme ça. Ma feuille de brique, elle est prête. Je l'ai badigeonnée avec l'huile d'olive. Je vais remplir comme ça à peu près deux cuillères ou une cuillère et demie, ça dépend, c'est comme on veut. On va les plier. Voilà, et je fais ce cordon comme ça pour que ça tienne bien pendant le cuisson. Alors, je vais finir le reste et je viendrai vous voir. Alors, après, on va faire cuire les mhinchats dans le four à une température de 180 degrés. Pendant une demi-heure, ça va nous donner ça. Voilà, je vous souhaite bon appétit et je vous invite à vous abonner sur mon site Cuisinant avec plaisir.